Salut, bienvenue sur GB Automobile. Cette chaîne est consacrée à l'expertise automobile. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos prochaines vidéos. C'est quoi un thermostat et quel rôle elle joue dans un véhicule? Et bien évidemment, pourquoi les Africains ont une tendance à supprimer ce dispositif sur leur véhicule? Ont-ils raison ou tort? La réponse dans cette vidéo. Le thermostat est un dispositif installé sur le circuit de refroidissement, donc le rôle est de s'ouvrir une fois que le moteur a atteint sa température de fonctionnement, dans le but de l'empêcher de monter excessivement en température. Pourquoi les Africains ont généralement l'habitude de le supprimer? Tout simplement parce qu'ils ont une mauvaise information de cet élément, justement parce qu'un thermostat qui a été conçu pour s'ouvrir une fois les 80 degrés atteints, en Europe il mettra plus de temps pour atteindre cette température, par contre en Afrique il atteindra cette température rapidement. Mais le principe reste le même. La seule différence réside sur le temps pour atteindre les 80 degrés. Pour nos frères africains qui ont tendance à supprimer ce système sur leur véhicule, les conséquences sur votre moteur sont les suivantes. Consommation de carburant, le moteur va perdre en puissance au fil des années. Pourquoi toutes ces conséquences? Justement parce que le moteur ne doit plus atteindre sa température de fonctionnement optimale pour un bon rendement. Nous savons tous que le moteur recherche de la puissance et il ne peut y avoir de puissance optimale si le moteur a tendance à être refroidi, et comme le module va constater une très forte baisse de température, il va donc injecter un peu plus de carburant pour se faire monter en température, c'est la raison de la consommation croissante du carburant. Si vous avez aimé, posez-nous vos questions, commentez, likez, et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau.